Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo. Attends, je ne me mets plus contre le mur. Dans une vidéo en collaboration avec Shein. Parce que voilà, Shein m'a contacté pour recollaborer et j'ai accepté. Donc j'ai choisi quelques modèles. Et alors avant tout, il faut que vous sachiez que j'ai déjà filmé cette vidéo hier. Sauf que quand j'ai mis les fichiers sur mon ordinateur, les fichiers se sont complètement... Enfin, ça ne fonctionnait pas, ils ne voulaient pas s'ouvrir. Je n'ai pas réussi à régler ce problème. Donc du coup, on retourne la vidéo aujourd'hui. Et c'est pas plus mal parce que nous sommes en compagnie de Sarah, que vous n'avez pas vu depuis très longtemps et que vous m'avez réclamé. Et donc tu vas réagir à mes tenues aujourd'hui. Oui. Donc voilà, bon, malheureusement, ce sera pas... Enfin, je serai pas à chaud sur la réaction des vêtements parce que je les ai découverts hier, malheureusement. Mais c'est pas grave, je vais quand même les réessayer, vous les présenter, etc. Et vous dire ce qui va et ce qui va pas. Parce qu'il y a deux petits flops, on va dire. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Bah écoute, mets-toi là si tu veux. Moi je vais mettre comme ça. Et de toute façon, on t'entendra réagir. Hein. Voilà. Ok. Sinon je vais gêner derrière. Alors, premier article. Alors c'est une robe... Hop, comme ceci, non, comme ceci plutôt, qui est très sympa, je sais pas ce que t'en penses. Elle est très 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 mignonne, moi j'adore la couleur, j'ai adoré en fait les motifs, les fleurs de lys, orange, rouge comme ça, et l'effet drapé surtout. Donc c'est parti, je vais aller l'essayer, et on va voir ta réaction. Ah bah c'est parti. Tadam ! Alors, elle est grave belle. Elle est très jolie, mais elle est un peu courte sur moi. Alors tu vois, là il suffit que je me penche, on voit tout mon cul. Mais sinon elle est très sympa, bon après moi c'est un cas exceptionnel, je fais 1m85 donc c'est sûr que ça va plus court sur moi que sur une autre personne. Mais si vous êtes plus petite que moi, ben je pense que ce sera très bien. Mais en tout cas je la trouve très sympa. Ouais, elle est trop belle. Elle est vachement agréable à porter, avec la peau bronzée je pense que ses couleurs là, ça va être magnifique. Et puis moi j'aime bien le drapé. Non, c'est beau. J'adore les robes drapées moi. Ça, en fait, les robes drapées, je trouve que ça. La taille. Ça fait une belle silhouette. Ça masque les imperfections, on va dire. Et d'ailleurs, elle n'est pas drapée derrière. Malheureusement. Parce que moi j'ai pas un très joli cul, mais. Merci, tu ramasses la sabonnette. Ah bah là. Mais en tout cas, elle est très sympa. Je sais pas si vous verrez, mais il y a une bretelle asymétrique. Voilà. Et d'ailleurs, avant de commencer, j'ai oublié de vous préciser que je suis en collaboration avec Shein, pas en partenariat. Donc, je ne suis pas payé pour parler des articles. Et si jamais les articles vous intéressent, je listerai tout dans la barre d'infos. Et si vous voulez vous faire plaisir, il y a mon code promo 24SummerDaya. Je vous l'écris dans l'écran et je vous le mets dans la barre d'infos. Je ne touche rien avec ce code, c'est juste pour vous. C'est ça. Non, alors vraiment, je vous jure, je ne touche rien du tout. Loin de là, c'est juste pour vous, si vous voulez vous faire plaisir. Et oui, je garde mes lunettes de soleil parce que je sais pas pourquoi, depuis ce matin, j'ai l'œil gauche qui fait que pleurer, ça me gaffe. Donc, on passe à la prochaine tenue. Ça, bon, je vous le dis d'avance, c'est un petit flop. Mais alors, on a un ensemble. Ah, mais il est beau. Bah, il est très joli. Mais c'est un t-shirt. Bah, c'est ça. En fait, il est très sympa, mais la robe sur moi est extrêmement courte, vous allez le voir tout de suite. Ah, mais c'est une robe? Oui, c'est une robe bustier. Tu vois? Donc, c'est une robe comme ça, en espèce de tissu un peu mèche, tulle, avec des strass holographiques dessus. Alors, les strass sont très jolis parce qu'ils ont des reflets rose, bleu, violet, orange, enfin, multicolores, quoi, avec des plumes. Et là, on a le petit gilet assorti, donc avec des strass sur le devant et sur les manches, il n'y en a pas au dos. D'ailleurs la robe non plus, il n'y a pas de strass au dos. Et voilà, donc, alors, avant de l'essayer, je voudrais préciser que le gilet, je ne vais pas pouvoir l'essayer correctement parce que les poignets sont très très serrés et je viens de me faire tatouer, donc je ne peux pas râper dans la manche, donc je vais l'essayer vite fait pour vous montrer. Mais voilà, donc... voici cet ensemble. Qu'est-ce que t'en penses comme ça à première vue? Bah comme ça, il est grave beau. Hein. Moi, je trouve que c'est beau, mais c'est vrai que ça a l'air super court. C'est très très court et je me sens mal à l'aise dedans. Enfin bref, j'en dis pas plus. Je vais l'essayer et je reviens tout de suite. Bon. Voilà, je pense que vous aurez compris de quoi je parle. Alors, il est très joli. Franchement, il est joli. Ouais. On va pas dire... voilà.
Mais pour l'été, c'est beau, mais je peux pas sortir avec ça. Mais je pense que si tu serais plus petite, ça irait. Ouais, c'est sûr que si j'étais plus petite, ça serait moins court et ce serait... Bon, parce que là, assez transparent. Ouais. Bon, bah en plus, c'est transparent. Donc, bon, je suis pas subjuguée. En fait, ouais, il est très sympa, je pense, pour faire des photos sur Instagram. Ah oui, ouais. Voilà. Ouais, ouais. Alors, après, autre point négatif, il perd les plumes. Voilà, je tiens à vous le dire. Ouais, parce que la bagnole. C'est un... Il faut quand même le dire, il perd les plumes. Et pour le prix qu'il coûte, parce que je crois que la veste, c'était un truc genre 27 euros. Oh, et la robe, je crois, c'est 20 euros, un truc comme ça. Ah non, c'est trop. Donc, c'est trop cher. Pour ce que c'est trop cher. Il perd les plumes, il est transparent, il est trop court. Enfin, en tout cas, pour moi, il est trop court. Et... Après ouais, il est très sympa, moi je le garderai pour faire des photos sur Insta, mais je me sentirais pas à l'aise de sortir comme ça. Non, non, non. Non, je me sentirais vraiment pas à l'aise. Donc voilà les amis, dites-moi ce que vous pensez de cet ensemble provocateur, ma foi. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. Ensuite... J'aime le bon. Alors ensuite... Ah oui. Ça va, elle va même pas se pencher. Cette jupe, c'est un flop. Alors attention, elle est magnifique cette jupe. Ça m'éblouit. Bah alors c'est une jupe les amis, complètement en strass. Ouais, elle est trop belle par contre. Elle est très 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 jolie, mais alors il y a plusieurs défauts. Ah. Premièrement, elle taille extrêmement petit, je n'arrive pas à la fermer jusqu'en haut. Parce que je l'ai essayé hier, je m'en rappelle très bien. Je n'arrive pas à la fermer jusqu'en haut, donc c'est dommage parce que j'ai pris taille L 40 comme tous les autres articles et tous les autres articles me vont. Ça, j'arrive pas à la fermer. C'est la matière, je pense. Ouais, je sais. En plus, c'est pas élastique du tout. Et deuxième truc, quand on touche, on sent qu'il y a de la colle. Fais voir. Tu captes, c'est... Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Appuie comme ça. Ah ouais. Mon doigt, il est collé. Ah. C'est poisseux, en fait. Parce que les strass, ils sont collés. Aïe. Et Mais qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi je m'assois, j'ai un lumbago. Et en fait, les strass, les amis, ils sont collés. Donc du coup, je ne sais même pas s'ils vont bien tenir. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, j'ai l'impression que tu vas t'asseoir, les strass, ils vont rester collés sur la chaise. Et en plus, elle pue. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire, ça pue. Là. Elle sent la colle. Elle sent la colle. Alors c'est dommage parce que juste comme ça, elle est magnifique. Ouais. Parce que franchement, je vous dis la vérité, elle brille de mille feux. On dirait une jupe en Swarovski, quoi. C'est vraiment... Ah, elle est belle, hein. Elle est vraiment très 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 belle, mais c'est tout. Moi, je ne me verrais pas la porter, par exemple, dans la journée s'il y a du soleil. Parce qu'avec la chaleur du soleil, imagine, la colle... Ah, mais tu fonds. Ah oui. Et là, d'ailleurs, en plus, j'avais vu un endroit, le strass, il s'était un peu décollé. Je sais plus où c'était. Là. Je sais pas si vous voyez là, mais déjà il y a un strass qui commence à se barrer. Alors c'est vraiment dommage parce qu'ils auraient dû trouver un autre tissu, une autre façon pour le faire. Je sais pas, peut-être mettre les strass sur du tulle ou... Ouais. Je sais pas, parce que là en fait on sent la colle quand on touche la jupe, quoi. C'est vraiment... Et puis pour le prix qu'elle coûte, je me souviens plus du prix qu'elle coûtait, mais dans mon souvenir elle était un peu chère. Non. Je vous la conseille pas. Donc je vais même pas l'essayer parce que j'arrive pas à la fermer. Donc voilà, c'était pour cette jupe. Encore une fois. C'est dommage, mais c'est comme ça. Voilà, comme ça, on a passé les flops et maintenant on peut passer à la suite. Hop. Ensuite, alors, on a une robe que j'ai beaucoup aimée, qui est comme ceci, toute noire, avec une orchidée comme ça. J'ai adoré. En fait, j'ai adoré la fleur comme ça sur fond noir. Je trouvais magnifique. Ouais, elle est belle. Et puis alors, j'aime bien la tache aussi. Elle s'attache comme ça. Alors toi, je sais que t'aimes pas les attaches comme ça. Non, je me sens oppressée. Bah toi, tu m'as dit ça faisait chien. Oui. Mais moi, j'aime bien. Je trouve ça sexy. Ça s'attache comme ça. Ça fait laisse. Ouais, c'est vrai, mais j'aime bien. Moi. Et le bas, je sais pas si vous verrez, mais elle a une découpe sirène. Elle finit évasée comme ça. Mais vraiment, ce que j'ai aimé sur cette robe, c'est l'orchidée sur fond noir. J'ai trouvé ça magnifique. Ouais, par contre, le dessin, il est bon. Ah, j'adore. Donc, écoutez, je vais l'essayer et je reviens tout de suite. Et comme ça, j'enlève cette connerie, là.
La musique d'attente, c'était... Ouais, elle est canon. J'adore cette robe, les amis, regardez-moi ça. Elle est magnifique. Je trouve qu'il y a une vibe années 2000. Ouais, ouais, elle est belle. J'adore. Oui, parce que au cas où vous n'aurez pas remarqué, en ce moment, je suis dans mon Year 2K era. Je suis à fond dans les années 2000, alors que c'est curieux parce que moi, j'ai toujours été passionné de la mode années 80-90. Oui. Et en règle générale, j'aimais pas vraiment la mode des années 2000. Mmh. Et là, depuis quelques semaines, je suis à fond. J'adore, bref. Tu deviens taré. Ah ouais, complètement. Donc du coup, bah écoutez, ouais, cette robe est magnifique. Avec le dos nu, je vous montre. Mm. Et ouais, moi j'aime beaucoup le truc comme ça, là. Ouais, la laisse. Ouais, la laisse. Non mais j'aime beaucoup, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. J'aurais un peu de mal à vous montrer le bas. Le bas, il est évasé. Enfin, elle est vraiment, vraiment très, très belle, cette robe. Et en plus, elle coûtait pas cher du tout. Ouais, elle est belle, hein. Elle est très sympa. Donc, on va passer à la suite. Ah. Alors. Ah oui, alors ça, c'est une jupe. Tube. Qui est vraiment... C'est celle. Elle est vraiment, vraiment magnifique. Genre, elle est blanche et bleu clair. En fait, elle fait tie and dye du haut qui est bleu jusqu'au bas qui est blanc. Et elle est complètement recouverte de strass. Je ne sais pas si vous le verrez bien, oui, vous le voyez. Et bon, au dos, il n'y a pas de strass, mais elle est superbe. Elle est en espèce de tissu mèche, tulle, comme ça. Mmh. Et elle est sublime. Et en fait, j'ai choisi cette jupe parce que j'avais déjà le haut assorti dans ma garde-robe que j'avais acheté sur Vinted, il me semble. Hop. Et le haut, il est comme ceci. Hop, merde. Donc le haut, il est comme ça. Et vous voyez qu'il est bien bleu. Et en fait, ça va dans la continuité de la jupe, quoi. Parce que ça va du bleu le plus foncé jusqu'au blanc, quoi. Et cet ensemble, il est magnifique. Ouais. Donc je vais le passer tout de suite et je reviens. Et ta-da ! Regardez-moi ça, les amis, comme il est beau cet ensemble. Il est superbe. Ah ouais, j'adore. Il est magnifique celui-là. Il est vraiment, j'adore le dégradé de couleur, ça va du bleu foncé, enfin foncé, au blanc. Et la jupe, ouais, la jupe elle est bien longue. Moi qui fais 1m85, elle m'arrive mi-mollet. Donc mi-mollet. Donc du coup, ouais, sur une personne plus petite, elle arriverait à la cheville carrément, je pense. Mais ouais, il est vraiment très 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 beau. Le haut il est trop beau. Ouais, le haut il est très mignon. Et ouais, j'adore les strass, vous savez, hein. De toute façon, comme je vous ai dit, hein, là que je fais des collabs chez In, j'essaie de choisir des articles un peu excentriques parce que l'été arrive et ce sont des couleurs que j'adore et puis il faut de la brillance, quoi. Il faut du strass, il faut de la paillette, moi c'est le mot d'ordre pour cet été, hein, c'est brillance. Donc voilà mes amis, pour ce petit ensemble, dites-moi ce que vous en pensez. Alors ensuite... Ah, mais il reste plus que deux articles, les amis, mes deux articles préférés. Donc, premièrement, cette magnifique jupe. Et alors là, je peux te dire que c'est un coup de cœur monstrueux. Ah ouais. Regardez-moi ça. C'est une jupe en jean avec le devant recouvert de strass. Elle est tellement magnifique, cette jupe. Je la trouve superbe. Et je trouve qu'en fait, elle est taille haute. Mais pas vraiment taille haute, 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 tu vois, elle est mi-haute. Et je trouve que, enfin, en fait, comme je vous ai dit, en ce moment, je suis à fond dans la mode années 2000 et tout, Gabriel Solis, Eddie Britt et compagnie, et je me vois faire plein de looks avec cette jupe. Plein, plein, plein. Ouais, après ça sortit avec tout. Ah ouais, j'ai des idées de looks avec cette jupe et je la trouve juste magnifique. Alors, et là, la qualité. Ah. Ah ouais, là, la qualité, c'est bon, quoi. Tu peux y aller. Tu sens que les strass, ils sont bien accrochés, ils vont pas tomber. Enfin, le jean, c'est du bon jean. Enfin, là, vraiment, nickel, rien à dire. Donc, c'est parti, je vais l'essayer. Et je reviens tout de suite. Et ta-da. Non. Ah non, mais ouais. Elle est super. Elle est super. La taille, elle est nickel. D'ailleurs, si jamais vous vous posez la question, j'ai tout pris en taille L. Elle est absolument super. J'adore.
J'adore le strass, le mélange du jean et du strass. Je signe et je persiste. J'adore. Ouais. Ah ouais, franchement, cette jupe, bon, elle est un peu courte sur moi, mais ça me dérange pas, je m'en fous. On n'est pas au point de la robe verte, donc ça va. Mais non, vraiment trop trop belle. Ouais, ouais. Et j'ai déjà plein d'idées de look en tête avec des hauts style années 2000 et tout. Enfin, j'ai plein de looks en tête. Et j'adore cette jupe. Je l'adore. Donc écoutez les amis, on arrive à la dernière pièce qui est splendide. Attention les yeux. Bon, elle est très excentrique, mais moi j'adore. Regardez-moi ça. Donc c'est une veste courte comme ça, oversize, rose, avec des détails argentés sur le jean. Et alors des poches avec des énormes strass comme ça, avec des espèces de... des rubans de tissu, des rubans de jean qui descendent avec des strass aussi. Et puis je la trouve super belle. La couleur, elle est belle. Ouais, la couleur elle est trop belle, le rose il est vachement beau. Et alors celle-ci elle coûtait cher et justement j'avais envie de voir ce qu'elle avait dans le ventre. Et je vous spoil, l'ayant essayé déjà hier, je peux vous dire qu'elle les vaut, ça va. Elle était à 60 euros je crois, ah ouais. Un truc comme ça. Donc ouais, elle est chère, mais franchement, c'est pas une qualité de merde, ouais. C'est ça que je veux dire. Et les manches et tout, enfin, et le bas de la veste, regardez bien, on voit bien. Tout le bas de la veste, c'est une fermeture éclair en fait, je trouve ça hyper stylé. Donc c'est parti, je vais l'essayer et je reviens tout de suite. Et ta-da. Je l'aime trop. Je vous jure, je l'aime trop, trop, trop. Ouais. D'ailleurs, ça va bien avec ses lunettes. Mais j'adore. Franchement, j'aime trop. Ça fait années 2000 encore. Ah, ouais. J'aime trop cette veste. Regardez la taille des manches pour moi, elle est juste parfaite. Je vous donne un petit conseil. Si jamais vous la voulez oversize comme ça, prenez votre taille habituelle. Parce qu'elle est déjà oversize de base. Ne vous dites pas, je vais surtailler pour l'avoir oversize parce qu'elle est déjà vraiment très oversize. Donc, non, elle est vraiment magnifique. Ouais, ouais. J'adore les portée, poches. Ah ouais, non, mais portée, l'effet court comme ça avec... Bon, évidemment, peut-être pas avec cette jupe. Non. Parce que là, on a déjà du strass, on a déjà des fioritures. Donc, peut-être une jupe en jean classique ou alors, moi, j'ai une jupe en jean blanc. Je pense que ça pourrait être très sympa avec. Ouais. Mais non, vraiment, j'adore cette veste. Qu'est-ce que vous en pensez? Regardez les détails aux poches et tout. Elle est vraiment super belle. J'aime trop. Ouais, j'aime trop. On monte le dos. Donc voilà les amis, ce haul touche doucement à sa fin. Quelle a été ta pièce préférée toi? La robe. Ah, la robe verte? Ouais. Ok. Pas la verte... Oui, la verte avec les fleurs oranges. Ouais, voilà. Ouais. La drapée là. Bah moi, si je devais choisir une pièce... En fait, j'hésite entre cette jupe et cette veste. Ah ouais? Ouais. Parce que c'est vraiment les deux pièces qui, je trouve, niveau taille, elles sont parfaites. Niveau qualité, elles sont nickel. Après, si je devais comparer au prix, je choisirais la jupe, je pense. Ouais. Parce que la jupe, elle était beaucoup moins chère que la veste. Mais sinon, cette veste, waouh. Ouais, la jupe, après, elle est belle. Ah, mais la jupe, elle est super. Mm. J'aime trop comment elle taille et tout. Elle fait une belle silhouette et tout. Enfin, elle est vraiment très bien. Donc, si jamais elle vous plaît, foncez, n'hésitez pas. Tous les articles seront en barre d'infos, encore une fois. Dites-moi quelle a été votre pièce préférée. Moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez plus de collab Shein.